content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo numéro 10. Et oui, on avance dans ce calendrier. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui car hier, j'ai pas filmé du coup. Vous m'avez vu, mais je l'avais enregistré le 8. Donc, ce matin, c'est un petit peu dur, ça pique un petit peu puisque hier, nous sommes allés chez Disney. Comme vous le savez, je vous l'avais dit. On a passé une très très bonne journée. Là, il a fait à peu près beau, ça s'est maintenu, mais par contre il faisait froid, mais un froid glacial. Je vais vous mettre à la fin de l'ouverture des calendriers aujourd'hui tous les petits bouts que j'ai filmés, voilà, dans le parc, le sapin, le nouvel univers Marvel, qui est très joli, on a beaucoup apprécié. C'est un petit land, hein, c'est pas énorme non plus, mais c'était super sympa. Il y a beaucoup de spectacles. Vous verrez, je vous mettrai. Il y a Spider-Man qui est arrivé, on a vu Iron Man, on a vu beaucoup de choses. Et on a surtout pu tester les deux nouvelles attractions Marvel. Donc mes enfants ont fait le roller coaster, le Grand 8 là. Moi je ne fais pas tout ça, je ne suis pas très à sensation. Par contre j'ai fait la nouvelle attraction de Spider-Man qui est super, surtout pour les gamins, mais même pour nous. D'ailleurs j'en ai mal au bras, tellement c'était bien, puisqu'il faut tirer les toiles d'araignée sur les araignées. Et tout ça c'est en 3D, c'est super bien, franchement je vous le conseille. Si vous devez aller là-bas, n'hésitez pas à le faire. Par contre nous il y avait du monde, mais ça restait correct, on a vu pire. Mais il faut attendre, hein. Franchement, ça a été ça. Et le pire a été vers 18h où la nuit, enfin, il faisait nuit. Et le froid, là, s'est fait ressentir. On devait attendre jusqu'à la féerie le soir, 20h. On n'a pas tenu, on a fait des boutiques et on est parti vers 18h30, 19h. On n'en pouvait plus. C'est compliqué avec le froid, en fait. Donc, on va arrêter le petit blabla là. Je vous mets ça en vidéo et demain, je vous montrerai les quelques achats qu'on a fait dans les boutiques Disney. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, 10. Il y a plusieurs choses là-dedans. Je sais pas là. Allez, on y va. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs figurines ou... Je sais pas. Ça a l'air fort prometteur quand on voit ça. On a du schtroumpf. Oh, il y a beaucoup de choses. Ah, c'est sympa. Alors, c'est parti. Oh, ils ont mis beaucoup de choses. Hein. Alors, ça, je ne l'ai pas. J'en ai quelques-uns, des comme ça. Ils sont très, très jolis. Tiki-dik, 80, 10... Je vois rien du tout. Non, je suis désolée, je ne peux pas vous le dire. Je ne vois pas trop. Mais ça, j'en ai déjà des comme ça. À l'intérieur, on a une voiture Schtroumpf que je ne connais pas. Je ne la connais pas. Écoutez, elle est superbe. Une Bully. Elle est très, très belle. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle est très bien parce que celle-là, je ne l'ai pas. J'en suis sûre. Le surfeur avec la planche de surf. Très joli, superbe. Ensuite, le magicien. Hop, comme ceci. Il est très beau aussi. Et la petite chompette. Alors celle-là, je dois avouer, c'est sûr, je l'ai. Puisqu'elle va avec une coiffeuse. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. J'en ai tellement que c'est très compliqué de me trouver. Ça, par contre, je l'ai pas. Un petit porte-clés de chez McDonald's, le Schtroumpf, je ne l'ai pas. 2000, ok, bah écoutez, il n'est pas tout récent, il a quand même 22 ans. Et bien, bah, je suis très contente. Merci, merci beaucoup. J'aime beaucoup les Schtroumpfs. Et cette petite voiture, et ça c'est, on n'en trouve pas tout le temps. Mais la petite voiture, elle est très, très jolie. Vraiment, une petite voiture Bully, elle est sympa. Alors, on va passer au calendrier Pèse. On est le 10, j'avais repéré la case pour ne pas perdre trop de temps. Donc, est-ce qu'on a un goût bien spécifique? Bah non, c'est un goût normal ça. Hein, ça doit être grenadine, fraise ou... C'est marrant parce qu'ils n'écrivent pas du tout.
Ils écrivent pas. Ah si, Strawberry. Voilà. On va le mettre à l'endroit. Donc voilà pour PES. Bon, bah, il n'y a pas de surprise en PES, hein. Ensuite, le calendrier loisirs créatifs. Ça sent le diamond painting. J'ai fini. Je vous l'avais montré. Je crois que oui, hein. Le colibri. Oui, je vous l'ai montré la dernière fois. Donc, si c'est encore un petit, je risque de le faire. Ah, ça a l'air fort joli, ça. Rien qu'à voir comme ça. Oh, c'est très joli. Oh, ça va être fait rapidement. J'aime beaucoup. Tu as très, très bien choisi. Alors, celle-là, je la connais pas du tout. Oh, puis alors, la toile, elle est pas comme d'habitude. Oh, c'est joli, c'est des bottes. Alors, il y a peut-être quelque chose à y faire. C'est des bottes de Noël. Alors, je sais pas si cut. Là. Il faut que je les coupe. Et puis, peut-être que je les colle. Je sais pas. Faudra que je regarde. Elles sont très très belles. Donc, on a le Père Noël à diamanter et le Merry Christmas. Bah, écoutez, c'est super sympa. Donc, à l'intérieur. On a. Ah, il faut le coudre. Ah bon? Ah ouais, c'est la matière qui me fait bizarre. Alors attendez, on a la barquette, le stylet et la colle. Et là, on a un petit fil rouge. Donc, je pense qu'on peut faire une couture. Va falloir que je regarde ça sur Internet, sur le site. Parce que là, je sèche. Je sèche, je sèche. Et donc, on a les diamants. Voilà. Et est-ce qu'on a des petits spéciaux? Oui, j'en vois ici. Bon, bah, je vous montrerai ça. Je vais essayer de le faire. Comme ça, je pourrais vous le montrer fini comme le colibri. C'est vraiment très joli. Tu as très, très bien choisi. Vraiment. Ensuite, le bougie. Hop. 10. Bon, bah, il n'y a pas de surprise avec avec ce calendrier. Bon, bah, voilà. Une petite bougie verte, hein. On reste dans le vert, hein. Ensuite. Le maquillage, 10. Oula. Ah, il est joli celui-là. Sont compliqués à. Ah, c'est compliqué là. Je me galère. Voilà. Elle est très jolie ce petit crayon. J'aime beaucoup la couleur. Donc, c'est un petit crayon pour les yeux, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, moi, je suis pas une youtubeuse beauté, hein. Voilà. Bah, écoutez, il va être celui-là, il va servir. Je suis très contente. Donc voilà pour cette petite ouverture. Bah, j'espère que ça vous a plu. Derrière, je vous mets les images de Disney en musique. Et puis, bah, je vous dis à demain et je vous montrerai les achats qu'on a fait chez Disney. Je vous fais plein de bisous. Passez un bon week-end et puis ben, je vous dis à demain. Bisous, bisous!